Merci beaucoup. Et je suis très content d'être ici aujourd'hui pour participer à cette journée importante d'apprentissage et d'échange, de réflexion. Alors, ceux qui vivent avec une maladie chronique font face à deux aspects majeurs. Un, c'est le côté physique auquel ils sont confrontés de la maladie. Et l'autre aspect, c'est l'aspect psychologique, c'est-à-dire comment les personnes s'adaptent à vivre avec leur maladie, comment ça affecte l'image de soi, les émotions, les croyances. Et par mon expérience, c'est l'aspect physique qui est surtout abordé dans notre culture, et c'est ça dont on parle et qu'on reçoit plus d'informations sur le côté physique. Et souvent, il y a moins d'emphase sur le côté psychologique. Mais c'est sûr qu'un affecte l'autre. Alors, c'est pour ça que je suis content de parler un peu de l'anxiété et la dépression dans la maladie chronique pulmonaire. Alors, il y a eu plusieurs études sur le taux d'anxiété et de dépression dans les maladies pulmonaires chroniques. Et on voit que l'anxiété est assez élevée. Ça peut aller jusqu'à 36 % des personnes qui vivent une anxiété importante. Ça veut dire qu'ils ressentent l'anxiété la majorité des journées. Ça peut affecter leurs activités quotidiennes. Et c'est souffrant à porter. Pour la dépression, on voit que jusqu'à 40 % des personnes qui vivent avec une maladie pulmonaire chronique peuvent vivre la dépression. Et ça aussi, pénible à porter, peut avoir un impact important sur leurs activités. Donc, ce n'est pas juste une humeur transitoire de quelques heures. C'est quelque chose qui est assez omniprésent. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'anxiété? Alors, l'anxiété est vécue au niveau émotionnel ou au niveau des pensées, à avoir des pensées catastrophiques, avoir une vigilance, une peur. Et au niveau physique, l'anxiété se manifeste comment? C'est des serrements, la poitrine, la tension dans les muscles, vraiment une malaise. Au niveau de la dépression, ce qui définit la dépression, c'est une humeur triste, perte d'intérêt dans les activités ou perte de plaisir. Il pourrait y avoir des perturbations au niveau du sommeil, au niveau de l'appétit, un manque d'énergie et un découragement. Alors, moi, quand je regarde ces chiffres, puis il y a d'autres études qui démontrent que ça peut aller jusqu'à 50 % des personnes. Le message que moi, je prends, c'est que c'est comme évident de vivre avec une maladie chronique, que ça a un impact sur le côté psychologique. Et ce n'est pas étonnant. Prenons par exemple l'essoufflement et l'anxiété. Hein? On sait que quand on devient essoufflé, le corps se mobilise pour attraper le souffle. Alors, il y a énormément de tension musculaire, le cœur va battre plus rapidement, la pression artérielle va monter. Alors, tout le corps mobilise pour attraper le souffle. Et l'essoufflement est une sensation qui n'est pas très confortable. Hein? On peut même avoir l'idée, dans un moment d'essoufflement, est-ce que je vais rattraper mon souffle? Alors, vous voyez, ça appartient dans la maladie pulmonaire qu'il y a de l'anxiété. Et moi, je trouve que c'est important à dire parce que si on regarde l'anxiété et la dépression comme c'est abnormal, la personne ne devrait pas porter ça quand ils ont une maladie chronique, bien moi, je trouve ça, justement, ça augmente l'anxiété et c'est décourageant. Alors, je ne vous parlerai pas aujourd'hui des techniques ou des stratégies pour débarrasser de l'anxiété ou de débarrasser d'une humeur triste. Je vais plutôt parler des façons de bien vivre ou de s'adapter à la maladie pulmonaire pour éviter d'augmenter la dépression ou l'anxiété. Parce que des fois, avec les meilleures connaissances,
les stratégies qu'on utilise pour essayer de s'adapter, ça pourrait marcher à court terme, mais des fois, à long terme, c'est pas très utile. OK? Alors, je vais vous présenter l'histoire de Claude. Claude peut être un homme ou une femme. C'est une personne fictive. Alors, si vous appelez Claude, je ne parle pas de vous spécifiquement. Mais j'espère dans l'histoire de Claude, l'histoire de Claude représente l'histoire de beaucoup de personnes avec qui j'ai travaillé, qui m'ont raconté leur histoire. Alors, j'espère dans l'histoire de Claude que vous allez vous identifier un peu. Alors, Claude peut être un homme ou une femme. Je vais parler de Claude comme une femme, par contre, mais si je change, vous allez comprendre. L'idée, c'est qu'elle représente plusieurs personnes. Alors, Claude a 58 ans quand elle attrape une grippe pendant les fêtes. Elle est au lit environ 7 jours. Avant ça, elle travaillait à temps plein. Elle a 3 enfants, elle a des petits-enfants et elle est mariée. Elle travaille dans une banque. Fait qu'elle est 7 jours au lit avec le grippe pendant les fêtes. Et après une couple de semaines, ça commence à aller mieux. Puis après une autre semaine, elle reprend son travail. Mais elle continue à tousser. Elle a des moments d'essoufflement, surtout après avoir monté un escalier ou en portant des sacs. Et elle est très fatiguée la plupart des temps. Alors, elle priorise son travail, mais ça a comme conséquence que sa maison, qu'elle gardait toujours propre, est beaucoup moins propre. Elle n'a pas l'énergie les soirs pour faire la souper souvent. Et les fins de semaine, elle préfère garder le temps pour se reposer parce qu'elle est tellement fatiguée, au lieu d'aller jouer aux quilles, aller au théâtre ou même aller dîner avec la famille. Elle continue à tousser et elle ne s'en sent pas elle-même. Fait qu'elle retourne voir le médecin plusieurs fois. On prescrit des antibiotiques, des sirops. Puis elle essaie de faire de son mieux pour continuer sa routine qu'elle avait avant. Mais elle devient comme pas mal frustrée, elle ne comprend pas ce qui arrive et elle se sent anxieuse et découragée parfois. Sa fille lui demande même si elle pense qu'elle est peut-être déprimée, puis elle pense que non, mais en fait, elle ne sait pas trop. Fait que environ 6 mois après cette grippe, elle se lève un matin et elle est beaucoup congestionnée, toute serrée dans la poitrine, elle a mal, puis quand elle essaie de marcher, elle est complètement essoufflée. Fait qu'elle va à l'hôpital. À l'hôpital, on lui donne des traitements et on la garde pendant quelques jours pour faire plein de tests. Et éventuellement, le pneumologue vient la voir pour lui dire qu'elle a un MPOC, maladie obstructive chronique respiratoire. D'un côté, c'est comme un peu un soulagement pour elle, parce que là, elle a le nom de qu'est-ce qui se passe. Et vu qu'elle a un diagnostic, ça s'explique pourquoi elle n'était pas en forme pendant 6 mois. Mais d'un autre côté, c'est sûr qu'elle a beaucoup de questions et ça la préoccupe beaucoup, évidemment. Fait qu'à l'hôpital, on explique les aspects de la maladie pulmonaire, les aspects physiques. On lui prescrit des médicaments pour gérer ses symptômes. On ne parle pas trop des aspects psychologiques, ou presque du tout, ni comment se comporter avec cette maladie. Elle a déjà arrêté de fumer, ça faisait 8 ans. Alors, elle retourne chez elle avec les médicaments et avec beaucoup d'espoir qu'elle serait capable, avec les médicaments, de reprendre sa routine. Elle priorise encore son travail et elle met la plupart de son énergie dans son travail. Elle limite beaucoup les autres activités avec la famille, les sorties, par contre.
Et ça la frustre, mais c'est ce qu'elle doit faire pour continuer son travail. Puis une soirée, là c'est rendu au mois de décembre, c'est après le travail, elle arrête à l'épicerie pour chercher des items. Puis c'est pas mal plein, le stationnement. Alors elle stationne au bout du stationnement, elle traverse le stationnement à pied pour arriver à l'entrée du magasin. Puis c'est froid et il y a beaucoup de vent. Et en arrivant à l'entrée, elle est complètement essoufflée. Et elle commence à paniquer. Il y a du monde qui remarque et qui l'aide à s'asseoir sur un banc. Et ça prend environ 7 minutes pour qu'elle rattrape son souffle. Puis après, elle se sent trop fragile pour rentrer dans le magasin pour faire l'épicerie. Elle a honte parce qu'elle a attiré plein d'attention. Et en même temps, elle a trop peur de retraverser le stationnement pour prendre sa voiture. Fait qu'elle demande au gérant du magasin d'appeler son mari qui vient la chercher. Et ça, bien sûr, ça marque Claude profondément. Puis après ça, elle n'a vraiment pas le goût de retourner dans une épicerie, d'attendre dans une file d'attente à la banque ou dans un magasin. Et elle demande à son mari de faire l'épicerie ou au moins de l'accompagner. Il faut dire que Claude fait son mieux avec les stratégies qu'elle a. Hein? C'est normal de vouloir retourner à sa routine habituelle. C'est normal, comme elle fait, de commencer à éviter les lieux et les activités qui peuvent causer un essoufflement ou un inconfort. Elle a aussi parfois la honte de commencer à tousser, même dans les repas de famille. Alors, elle limite ses activités beaucoup, beaucoup. Elle manque de plus en plus de son travail. Et son anxiété, sa dépression augmente. Et elle se sent isolée. Sa fille l'encourage bien gros à retourner voir son médecin de famille qu'elle connaît depuis des années. Et son médecin de famille recommande à Claude de faire un programme de réadaptation pulmonaire au centre hospitalier pas loin de chez elle. L'idée de faire un programme de réadaptation pulmonaire avec l'exercice, elle ne peut pas imaginer sur le coup. Elle est déjà fatiguée. Elle n'a pas nécessairement le goût de passer 3 jours par semaine avec d'autres personnes qui sont malades. Mais elle se souvient de son père que, quand elle était jeune, avait un accident de travail sévère et qui a travaillé très fort pour reprendre la capacité de marcher. Alors, en pensant à son père, elle décide d'embarquer dans le programme de réadaptation. C'est un centre hospitalier un peu idéal, imaginaire, parce qu'ils ont toutes les disciplines dans la réadaptation. Alors, je vous présente la nutritionniste, le physiothérapeute, l'inhalothérapeute, le pneumologue, le psychologue, l'infirmière, la travailleuse sociale et l'ergothérapeute. Et je vous montre ça juste pour dire comment c'est complexe de vivre avec une maladie chronique pulmonaire et comment toutes les disciplines ont un rôle important à jouer pour aider l'individu à porter la maladie et à bien vivre. Alors, Claude rencontre aussi le club avec lequel elle va faire ses exercices, c'est-à-dire d'autres personnes qui ont leur histoire et qui ont leur maladie pulmonaire. Et juste en parlant, la première séance, les questions qui sont posées, les réponses des professionnels, son anxiété commence à baisser et à baisser bien gros et elle a beaucoup, beaucoup d'espoir juste en écoutant parce que c'est tellement validant ce qu'elle entend. Ça reflète son expérience et elle réalise qu'elle n'est pas seule. Elle est loin d'être seule. Il y a beaucoup de monde qui ont des maladies chroniques et qui ont des maladies pulmonaires. Et ça, c'est vraiment pour elle une bombe d'être entourée finalement des gens qui comprennent. Et moi, je suis témoin dans mon travail. Il y a toute une panoplie de choses magnifiques qui se passent. Juste
le temps que les gens attendent de commencer la classe d'exercice, les échanges naturels qui se font. Moi, je suis vraiment un champion pour les groupes d'entraide organisés par l'association pulmonaire pour cette raison-là. Alors, Claude voit que c'est vraiment un partenariat, collaboration avec les professionnels de la santé, mais elle joue un rôle principal. Alors, on parle du lieu de contrôle pour la santé, et dans le cas de Claude, et pour tout le monde qui prend soin d'eux-mêmes dans une maladie chronique, le lieu de contrôle interne, ça veut dire que moi, je peux avoir un impact sur ma santé. Je peux agir pour ma santé. Et le lieu de contrôle externe, bien, c'est toute l'expertise, les informations qu'on reçoit des professionnels de la santé. Et ça prend vraiment les deux. Le médecin, les professionnels de la santé ne peuvent pas faire quelque chose de magique pour éliminer les symptômes ou régler les problèmes de santé. Puis la personne, si la personne, le patient n'a pas les informations, les bons médicaments, pour se prendre en main, bien, ce n'est pas possible non plus. Alors, ça prend vraiment les deux. Elle a la chance de rencontrer le psychologue dans le programme de réadaptation. Et le psychologue écoute l'histoire de Claude et qu'est-ce qui est arrivé. Et le psychologue parle avec Claude de deux stratégies majeures. Je pense que c'est très important et vous allez vous reconnaître vous-même. Alors, il y a la stratégie de contrôler. Ça, c'est probablement la stratégie qu'on adopte tous en premier quand on est face à un problème. On veut prendre charge, on veut prendre le contrôle, on veut régler le problème. Alors, ça veut dire lutter contre les symptômes ou les prévenir, les éliminer. Alors, le vaccin qu'on a eu aujourd'hui, ça, c'est une stratégie de contrôle. Quand on lave les mains avant de manger ou après avoir donné la main à quelqu'un, ça, c'est une forme de contrôle. Et c'est efficace, puis ça a sa place. Mais par contre, si on ressent une émotion comme la peur, mais ça, c'est une expérience intérieure. Et ou si on a la difficulté à dormir, c'est une expérience intérieure. Et la stratégie de contrôle, habituellement, marche mieux pour les choses extérieures. Je peux contrôler la température de la pièce. Je peux diminuer mon budget, dépenser moins. Mais les stratégies de contrôle sont limitées quand on vit une maladie chronique. Il y a l'évitement des situations que Claude a beaucoup utilisées parce qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre. Alors, éviter des soupers, éviter des sorties parce qu'elle devenait fatiguée, éviter des places où elle a vécu un peu d'essoufflement parce que ce n'est pas confortable. Et le psychologue explique que l'évitement marche dans l'instant. Alors, si... Je prends un exemple de moi-même. Si on me demande de faire une présentation, ça peut générer un peu d'anxiété. C'est en français, oh my gosh. Et la chose la plus facile que j'aurais à faire, c'est de dire non, l'évitement. Et c'est sûr que je vais me calmer tout de suite, le problème est réglé. Sauf que si mon but comme psychologue, c'est de partager des connaissances et de rencontrer des personnes et de mieux comprendre pour moi-même des problèmes avec lesquels je travaille, bien, l'évitement à long terme est très limité et ça ne marche pas comme stratégie si je veux avoir une vie intéressante. Et c'était la même chose pour Claude. Alors, Claude a souvent nié ou évité les symptômes et les difficultés. On ne peut pas la blâmer, c'est valide, c'est ce qu'on fait comme être humain. On se retire des places inconfortables, c'est compréhensible. Elle a essayé de repousser des pensées ou des sentiments difficiles. Elle ne communiquait pas ses besoins avec ses proches. Souvent, elle niait qu'elle était essoufflée ou qu'elle était fatiguée ou qu'elle avait besoin d'aide, peut-être, parce qu'elle avait honte.
Et elle a aussi évité de multiples activités, situations, par peur d'avoir des symptômes d'essoufflement, de perdre le contrôle, comme on a vu. C'est un peu ce que Dr. Bocage a présenté ce matin, mais j'adopte ça pour l'anxiété. Alors, ça, c'est une spirale descendante de la qualité de vie. C'est l'exemple d'une stratégie qui n'est pas très adaptive, mais qui est très humaine à faire. Alors, obstruction du passage d'air, c'est ce qui arrive avec un MPOC. Il y a l'essoufflement. L'essoufflement génère de l'anxiété. L'anxiété, quand quelqu'un est anxieux, il peut pratiquer beaucoup la stratégie d'évitement, d'activité ou de lieu. Quand la personne évite des sorties, des situations, voire d'autres mondes, ils deviennent souvent très déconditionnés physiquement. Ce qui fait que le moindre effort va rendre la personne encore plus essoufflée parce qu'ils ont perdu la masse musculaire, parce que le cœur est moins fort. Le pire essoufflement cause une anxiété encore plus intense et la peur. Il pourrait avoir encore plus d'évitement, ce qui mène à une vie très limitée. Et quand on essaie d'éliminer l'anxiété ou la dépression, on arrête de bâtir une vie, on arrête d'aller vers les choses qui comptent, qui sont importantes. Alors Claude se reconnaît dans ça. Et c'est compréhensible pourquoi son anxiété a augmenté puis son humeur a baissé. Elle est à la bonne place dans la réadaptation pulmonaire parce que la réadapte peut inverser ce spirale ou l'arrêter au moins. La dernière stratégie de contrôle, c'est la résolution des problèmes. Et ça, ça marche. D'identifier c'est quoi le problème, de regarder ses options et de choisir une option et l'appliquer. Mais ça marche seulement pour des problèmes qu'on peut régler. Et souvent, on essaie de régler des problèmes qu'on devrait peut-être plus accepter ou faire de la place pour, même si ce n'est pas ce qu'on veut. Alors, c'est quoi la deuxième stratégie, pensez-vous, si la première stratégie majeure, c'est de contrôler réguler. Acceptation. Exactement. On en parle peut-être moins souvent que les méthodes de contrôle, mais je trouve que c'est super important pour gérer une maladie chronique. Accepter, ce n'est pas la résignation, ce n'est pas l'apathie non plus. L'acceptation, c'est de dire que j'accepte mes symptômes pour ce qu'ils sont et j'utilise même mes symptômes pour me guider. Si je porte attention aux symptômes, je suis capable de mieux gérer ma maladie. Alors Claude a appris avec l'ergothérapeute en montant l'escalier que si elle porte attention à sa respiration, sa respiration va indiquer comme un signal pour elle quand c'est le moment de prendre une pause. Elle apprend aussi que de l'infirmière que si elle porte attention à ses symptômes, elle pourrait détecter le début d'une infection, des sécrétions plus amples, de couleur, la fatigue. Alors, en portant attention, elle peut mieux gérer sa maladie. C'est ironique parce que ça donne du contrôle. Alors, l'ergothérapeute a présenté à Claude une métaphore. Elle a parlé des sables mouvants. Je ne sais pas si vous avez jamais eu la chance de voir comment ça fonctionne, les sables mouvants. Mais ça a l'air que si on rentre dans les sables mouvements, c'est quoi le réflexe? On essaie de sortir avec nos pieds. Et plus qu'on tire, plus l'autre jambe va caler dans le sable. Hein? Et on lutte, puis on peut perdre notre énergie.
Alors, la stratégie pour sortir des sables mouvants, c'est complètement contre-intuitif, c'est fou, mais c'est de tourner ou faire contact avec le sable mouvant, parce que comme ça, on flotte. Ça prend même pas d'énergie, ça. C'est juste d'être avec le sable mouvant, et ensuite, on roule pour en sortir. Alors, c'est la métaphore que l'ergothérapeute a utilisée pour expliquer l'avantage de porter attention, de faire la place pour l'essoufflement et d'autres symptômes dans la maladie. Ils ne sont pas toujours votre ennemi. Fait qu'au niveau de l'anxiété et de la dépression, Claude commence à comprendre des choses qui ne sont pas tellement compliquées, mais qui l'aident énormément à faire face et à mieux s'adapter à sa maladie. Et en s'adaptant mieux, l'anxiété, le découragement est moins sévère, moins intense. La dernière stratégie, c'est s'engager dans des activités, mais avec un plan. Alors, on suggère à Claude qu'elle pourrait peut-être appliquer pour une vignette de stationnement pour qu'elle puisse être plus près des entrées des magasins ou du théâtre. Ça prend de l'acceptation de la part de Claude pour appliquer pour une vignette, hein? Aussi, on lui dit qu'il y a des services de ménage pour pas qu'elle ait besoin de s'inquiéter ou sentir mal à l'aise dans une maison qui est moins propre. C'est sûr que personne ne fait le ménage comme Claude faisait, mais une fois par mois, elle engage une compagnie pour venir faire la lessive, faire le gros ménage. Ça prend de l'acceptation pour être capable de profiter de ces ressources-là. Mais Claude le fait parce que ça marche. Le prière de la sérénité peut capturer tout ce que je viens de dire. Alors, c'est « Puis je trouvais la sérénité d'accepter les choses sur lesquelles je n'ai pas de contrôle, le courage de changer les choses que je peux et de connaître la différence, d'avoir la sagesse de connaître la différence. » Un autre aspect psychologique inné qu'on a tous comme être humain, qui est super important dans la réadaptation et dans le processus d'adaptation, c'est le phénomène de l'habituation. Alors, avez-vous déjà acheté un nouveau paire de souliers qui n'est pas très confortable la première ou la deuxième journée? Puis si on continue à les porter, s'ils sont de la bonne grandeur au départ, bien, ils commencent à être de plus en plus confortables. Ça, c'est un exemple de l'habituation. Ça se passe au niveau physique, neurologique et comportemental. Si vous rentrez dans une maison où on cuit le poisson, on le sent tout de suite en rentrant, mais qu'est-ce qui arrive après 10-15 minutes? On sent, c'est l'habituation. Mais si on sort de la maison, on ne reste pas, mais chaque fois qu'on va rentrer de nouveau, on va sentir le poisson. Il y a un problème si jamais les souliers sentent le poisson ou le poisson sent les souliers, par exemple. Ou prenons l'exemple des enfants qui sautent dans un lac quand il fait super chaud l'été et l'eau est froide. Au début, c'est « wow, heureux ». Mais après 3, 4, 5 minutes, l'eau semble être super confortable. Alors, on présente dans le début de la réadaptation à Claude les exercices qu'elle va faire. Tapis. Puis elle a horreur d'être essoufflée, puis elle essaie de convaincre le monde qu'ils ne comprennent pas, c'est pas pour elle. Mais on commence par 1 minute, 2 minutes, doucement, en sécurité avec le physiothérapeute qui est présent. Et tranquillement, bien, pas si tranquillement, assez rapidement, dans la première semaine, Claude est capable de passer à 3 minutes sur le vélo, à 10 minutes. Son cœur habitue
à faire un effort, les muscles aussi. Et ce qui est magnifique dans la réadapt, c'est que 3 fois par semaine, pendant 8-10 semaines, elle fait face à l'essoufflement modéré et elle apprend comment le porter sans que ça domine sa vie. Elle apprend aussi ses vraies limites parce qu'elle avait une idée qu'elle ne pouvait rien faire et que c'était la bonne chose pour ne pas s'endommager. Alors, en réadaptation, elle s'habitue à l'essoufflement et ça la libère. Et ça diminue son anxiété et son humeur s'améliore. Alors, le processus d'habituation est utilisé pour des phobies et plein de choses en psychologie. Et c'est une des démarches le plus fort, ce qui marche le plus en psychologie. Alors, juste ça pour dire que le processus de réadaptation pulmonaire donne une chance aux gens de s'habituer et à mieux porter leur essoufflement, leur fatigue et leur peur. La réadapt termine et on recommande à Claude de faire 3 à 5 séances d'exercice de façon autonome, 30 minutes, 20 minutes, 30 minutes chaque. Mais au bout de quelques mois, Claude n'a plus la motivation pour aller dans le salon, aller sur son bicycle stationnaire. Et elle commence à faire moins d'activités physiques. Elle se sent plus faible. Elle commence à développer un peu plus d'anxiété. Elle se sent découragée. Elle regarde le bicycle stationnaire et tous les bas qu'elle a mis là-dessus pour sécher. Mais elle n'a juste pas la motivation jour après jour de faire de l'exercice. Alors, elle appelle le psychologue et elle a 1 ou 2 séances pour discuter qu'est-ce qui est important pour elle. Alors, pour se motiver, moi, je pense que c'est important que la personne identifie qu'est-ce qui compte le plus dans leur vie présentement. Hein? Et si l'exercice permet à la personne de poursuivre les choses qui comptent, les activités qui valorisent le plus, bien là, la motivation donne un sens à faire de l'exercice. Mais le psychologue ne travaille pas juste sur les valeurs. Ils font la résolution de problèmes pour voir c'est quoi le contexte qui va favoriser pour Claude de faire l'exercice régulièrement. Et c'est sûr, ce n'est pas dans son salon avec son bicycle stationnaire, seul. Alors, voilà des valeurs santé, relations humaines, spiritualité, contribution à la communauté, ou le travail, ou les loisirs. Est-ce que vous pouvez en ajouter 1 ou 2? Des valeurs, des choses importantes pour vous? La famille, oui. Autonomie, oui. Développement de soi, peut-être. Oui. Alors, le psychologue utilise le cible. Ce qui est dans le jaune, c'est les valeurs. On peut mettre certaines choses dans le jaune, c'est les valeurs les plus importantes. Ça compte le plus. On peut aussi évaluer le niveau d'énergie et l'engagement dans ces valeurs-là. Alors, si on dit que la famille est super importante, mais on voit que ça fait 1 mois que quelqu'un n'a pas parlé ou rencontré ou passé du temps avec la famille, là, il y a un écart entre ses valeurs et ses actions. Et quand cette situation, cet écart existe, quand il y a un écart entre les valeurs et les activités dans lesquelles on s'engage, ça peut causer la dépression indirectement, mais ça peut être une cause. Mettre toute son énergie dans quelque chose qui n'est pas très important, ce n'est pas quelque chose qui vitalise. Alors, voilà ce que Claude a découvert. La santé et bien-être, bien sûr, pour elle, est une valeur, mais le contexte dans lequel elle doit faire de l'exercice pour elle, c'est une classe de yoga avec d'autres personnes, et c'est
une ou deux fois par semaine d'être en gang pour faire un peu de cardio. Pas chez elle, mais dans un centre de yoga avec d'autres personnes. Puis ça devient une activité sociale, hein, en passant. Les loisirs sont importants. Claude adore marcher dans le nord, aller dans le nord de temps en temps. Alors, quand elle fait de l'exercice, c'est pour être capable de continuer à faire le voyage et à marcher un petit peu dans le nord. Quand elle était à l'école secondaire, elle a beaucoup aimé peinturer, puis elle n'avait pas fait depuis des années. Et c'est une autre activité qui revient et qu'elle adopte. Et quelqu'un a dit la famille, alors elle fait de l'exercice pour avoir la force de suivre ses petits-enfants et de passer une partie de la journée, les fins de semaine, avec. Alors, Claude s'adapte mieux maintenant à sa condition et naturellement, elle a moins d'anxiété et de dépression. Mais une chose est sûre, c'est que de poursuivre ses valeurs et de faire l'exercice est comme un traitement médical. Ça prend une dose régulière. Il faut que ça soit bien administré. Avec son cheminement et en regardant, en connaissant les autres personnes atteintes de la maladie, Claude commence à comprendre pour la première fois dans sa vie c'est quoi la compassion. Elle avait la compassion pour d'autres qui souffrent ou pour d'autres personnes qui ont la misère, mais elle commence à appliquer la compassion envers elle. Et les trois parties majeures de sa compassion pour elle-même, c'est la bienveillance envers soi-même, le droit de se réconforter et de ne pas se critiquer comme réaction quand elle a des problèmes. La reconnaissance de son humanité veut dire qu'elle n'est jamais seule. Il y a d'autres personnes. Elle a su en réadaptation. Et quand elle continue ses exercices, elle voit qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose qu'elle. C'est compréhensible. Ça a une place de souffrir, d'avoir de la misère comme être humain. Ce n'est pas quelque chose qui ne devrait pas exister ou pour laquelle elle devrait avoir honte. Puis la troisième, c'est la pleine conscience. C'est l'idée d'avoir ce qui est là au lieu de le combattre ou de vouloir se débarrasser, incluant la tristesse, la joie, l'intérêt, parfois l'ennui. Mais ça ne veut pas dire... C'est des expériences émotionnelles qu'elle vit. L'anxiété, c'est une expérience transitoire. Ça ne l'identifie pas. Alors, c'est l'idée d'observer et d'avoir ce qu'elle a, mais sans être critique. Pour résumer, bien vivre avec les symptômes de la maladie pulmonaire chronique, y compris l'anxiété et la dépression, implique être bien diagnostiqué en premier, recevoir les informations sur les aspects physiques et psychologiques de la maladie. C'est de recevoir les conseils et le soutien des professionnels de la santé pour aider dans le processus d'adaptation. La réadaptation pulmonaire est une stratégie A1 pour ça. Donc, la collaboration entre les patients et les professionnels de la santé, le support des pairs, très important, bien servir des stratégies de contrôle, mais de l'acceptation aussi, sont complémentaires. Le processus d'habituation, on s'habitue si on continue une activité dans la mesure où c'est possible, hein? Il y a des limites physiques, bien sûr. De continuer à mener une vie valorisée avec les choses qui comptent. Ça aussi, c'est une bombe pour la dépression et pour l'anxiété. De connaître ses valeurs, faire des choix pour mettre son énergie dans les choses qui comptent. D'avoir du support et, si possible, et c'est toujours possible, d'avoir la compassion pour soi. Elle rencontre un médecin qui lui dit, « Claude, savez-vous, jour et nuit, quand vous dormez, quand vous êtes réveillé, vos poumons, votre corps, travaille, même sans que vous le sachiez, pour vous donner son maximum. Alors, quand vous faites de l'exercice, quand vous arrêtez de fumer, quand vous mangez bien,
quand vous prenez vos médicaments, vous aidez votre corps à faire sa job. Et le corps de l'esprit humain est super résilient. Si vous pensez à votre propre parcours, je suis sûr que vous voyez plein de fois où vous avez trouvé les ressources nécessaires pour continuer, pour faire face à des situations. Alors, je vous laisse avec ce diapo et cette phrase, nous ne pouvons pas contrôler le vent, mais on peut ajuster les voiles. Et c'est perdu. Merci pour votre attention et j'espère que c'était utile.